Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. On va pouvoir faire notre page numéro 2 de l'album Dear Santa de Ciao Bella pour la boutique Scrap for Love. Une page un peu complexe à monter, mais avec beaucoup de découpage de papier. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, comment on va commencer ça pour que ce soit facile à expliquer. Alors, on va d'abord mettre notre rabat ici en bas, mais on a des choses à lui coller dessus. Alors, avant de le coller sur le bloc, on le travaillera. Alors, ce rabat, il fait 15,5 sur 18. Et sur le côté 15,5, on va plier à 13 et à 13,5. On a un petit gousset d'un demi-centimètre. Donc, 15,5, 18, 13, 13,5. Alors ça, c'est pour coller ici en bas. À l'intérieur, on va faire une pochette et une carte. Alors la pochette, 22 sur 6. Et sur le côté 22, on plie à 2, on plie à 20 pour obtenir nos 18 de largeur. Comme ceci. En bas du rabat. Allez, on colle ça. Alors, toujours pareil, notre petit scotch de 6 mm rouge. Et nos petits côtés à décoller. Donc ça, on le colle en bas de notre rabat qui va venir se coller en bas de la page. On fait beaucoup d'en bas de rabat. Alors, ici, on le met en place. Et à l'intérieur, on a une carte de 11-16, bien sûr, à l'intérieur comme ça. Et ça, on le colle ici en bas de notre page numéro 2, toujours sur le bloc numéro 1. Parce que dedans, il y a une pochette et je veux la coller par-dessus. Ce sera plus joli et il y aura moins d'épaisseur. Allez, ici, on le colle en place. En bas de notre page. Et on refait bien le gousset. Voilà. Alors, sous ce rabat, ici en bas de la page, il y a une pochette. Donc, comme ça, notre languette, elle est à l'intérieur. Elle ne nous embête pas. Alors, 22 sur 10,5. Et sur le côté 22, on plie à 2, on plie à 20. Et on obtient également notre 18 de largeur de page. Et ça, on va le coller par-dessus notre languette du rabat qu'on vient de coller. Comme ça, notre languette, elle est cachée dessous et ça ne se voit pas. Donc, ici. Hop! Et on n'oublie pas, hein, toujours de bien appuyer, surtout dans les angles là, pour bien coller notre scotch rouge. Il a toujours besoin d'un petit coup de plioir pour bien adhérer au papier. Voilà. Et pochette, carte 11-16 à l'intérieur. Allez hop, ça c'est fait. Ah. Alors ici, c'est là que ça se complique. Alors, on a un rabat qui est plus petit. Attention, il est moins large. Hein. Il fait que 15 de large. Donc, il va falloir le centrer sur notre page pour que ça soit plus joli quand même. Donc, on va faire des petits repères pour le centrer. Donc, ce rabat, il fait 20,5 sur 15. Et sur le côté 20,5, on plie à 18 et à 18,5. On a également le gousset d'un demi. Hein. 20,5, 18, 18,5, 15 de largeur.
Et ça, on le colle là-haut. Alors, il y a des choses à faire dessus, mais il va falloir coller notre papier avant. Et c'est là que je vais être obligée de calculer pour les aimants. C'est encore toujours pareil. Moi, je fais les choses, puis comme je ne les monte pas, après, je ne sais pas où ça va, je ne sais plus comment je vais le positionner. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, ici, on est comme ça. Dessus ce rabat, il y a une carte 11-16 en travers, comme ceci. Donc, vous voyez, je l'ai collée de façon à ce qu'elle dépasse de chaque côté un petit peu. Donc, il va falloir coller du papier dessous pour recouvrir nos petits coins qui se voient là. Et à l'intérieur ici, on aura une carte par-dessus qui est collée complètement sur le papier. Et c'est ça qui va nous servir de fermeture. Mon Dieu. Mais alors, comment vous dire? J'ai un peu peur quand même, hein? J'ai un petit peu peur. Alors, comment on va articuler tout ça? Parce que ici, j'ai un paysage. Alors là, j'ai un peu découpé toute ma page 20-20 là, hein. Je l'ai découpé en morceaux, hein. Donc j'ai ça ici. Avec ça et ça pour rallonger ma page. Ça passe dessous, il faut que je le colle avant. Voilà. On voit le marron ici, hein, le chocolat. Après, ça c'est pour mettre derrière les petits côtés. Alors, après, à l'intérieur ici, j'ai mis cette page-là. Je travaille dans les bleus là, et cette fois on est dans les bleus. Et j'ai découpé, vous savez, on a une page où on a plein de petites bordures comme ça. Donc j'ai choisi de découper évidemment celle où il y a beaucoup de bleu au fond pour rester dans le même. Donc ça, il va falloir le coller. Avant ça. Et ça, on va le mettre plus en haut. On ne le centre pas trop. Parce que voilà, je voulais essayer de faire ça. Et puis ça ne me plaisait pas. Parce que sinon la photo, elle va être cachée. Donc c'est dommage, c'est vrai, je cache ma bordure, je sais. Mais bon, je suis obligée de faire comme ça, parce que si je la mets dessous, ma bordure n'est pas assez collée, j'ai peur que ça se déchire. Et après, on mettra notre bleu, alors couleur maritime, je vous rappelle. Et je vais mettre ça comme ça, en décoration. Et donc, c'est là que nos aimants vont être collés. Mon Dieu, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Enfin, si, c'est facile, mais après, il faut. Voilà. Ici, j'ai l'autre partie. Alors, c'est pas ça. Parce que c'est ça aussi. Après, je ne me rappelle plus tellement j'en fais des papiers, des papiers, des papiers, des papiers. Et après, je ne me rappelle plus. Alors. Il faut donc que je fasse. Est-ce que ça serait ça, par exemple? Non. Non, non, c'est pas ça. Oh mon Dieu, écoutez, je vais essayer de retrouver mes petits. Je reviens parce que là, c'est une catastrophe. Je sais plus. Je sais plus, je sais plus, je sais plus. C'est là, c'est ça, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ça y est, je me souviens. Ça y est, ça y est, ça vient, ça vient. Donc ça, c'est ici. Donc ça, c'est la 30-30. Hein. On va enlever ça. Ça, c'est ici. C'est dur de respecter ce bleu de partout. Là, j'ai eu beaucoup de mal à trouver mes petits là pour que je puisse assortir. D'ailleurs, il faudra que je le recoupe un petit peu. Hein, parce que ça ne rentre pas bien et ça va nous embêter. Alors, on va en enlever un petit morceau.
sinon ça va gondoler. Voilà, c'est mieux. Donc ici, il y a ça avec ça. Alors ça, c'est celle-ci. C'est 20-20, ça. Hein. La 20-20, je l'ai dépiautée complètement. Je l'ai coupée en petits morceaux. Ça, c'est fait. Après, une fois qu'on aura retrouvé tous nos petits, ça sera plus facile. Ici, il y a ça. Donc, c'est celle-ci. On est toujours dans le 30-30. Hein. Ici, il y a ça. Voilà, je complète ma page, en fait. Et après, il me reste ça. Donc, ici, c'est ça. Avec encore une petite bordure. Cette fois, j'ai pris les timbres. Voilà. Et donc, je vais retrouver mon dessus maintenant, ici. Ça, c'est des... Alors, je sais plus. Ça va là. Il est où mon deuxième morceau? Et voilà, on y arrive. Voilà. Et après, on calculera pour les images. Hein. Pour l'instant, je vous montre ça. Alors, ici, avant de le coller, je vais mettre mes deux petits morceaux de papier ici, que j'ai coupé un petit peu plus grand, parce que sinon, c'est impossible à mettre après. Et je collerai ça comme ça. Il y a un endroit aussi où il y a un tag. Alors que je ne fasse pas la bêtise cette fois. Voilà. Cette fois, je n'ai pas mis le scotch pour y penser. Donc ici, quand je recollerai, ici, il y a un tag qui va se glisser dessous. Comme ceci. C'est pas évident. Alors, on va essayer de coller déjà ce rabat ensemble. Hein, parce que c'est quand même assez compliqué. On va essayer de le faire ensemble. Alors. La carte qui va dessus, derrière, ici de chaque côté, on va y coller les petits morceaux de papier. Si j'en perds la moitié, c'est pas la peine. C'est pas vrai. Ah ben ça va pas le faire. Hein. Il est là. Donc là, je commence par ça parce que je sais qu'après, ça dépasse à peine et ça risque de me gêner. Pour le mettre. Donc, je le mets avant de coller ma carte. C'est des chutes. Alors, vous savez que quand je vous dis chute, ça veut dire que quand on en est à ce niveau-là, on les a, les chutes. Parce que moi, j'avance aussi une page après l'autre. Hein. Donc, j'ai déjà ces chutes-là. Vous devez les avoir déjà dans vos papiers coupés. Bon, là, c'est bon. Et là, on met ça. C'est pas là qu'il y a les aimants. Donc, c'est bon. On peut travailler... Donc, ça, c'est la page hein, que j'ai découpée. Hein. Un petit morceau. Je l'ai détaillée complètement et je l'ai toute reconstituée à ma façon pour que ça aille dans ma structure. Alors, ça, c'est fait. On le colle sur trois côtés seulement. Ici, pareil, on va d'abord coller ça pour superposer après ceci. Comme ça, on arrivera mieux à le centrer. Alors ici, je vous donne les dimensions quand même. Ça fait 3,5. Voilà, 3,5 et 3,5. J'ai coupé 3,5 de hauteur. Et je colle mes papiers sur mon rabat. Avant de coller mon image. T'en vas pas de travers. Voilà. Ça, après, on colle le suivant. C'est toujours... Alors, la structure n'est pas très compliquée, mais c'est parce que j'ai voulu faire des effets de manche, comme on dit, avec les papiers. Voilà. Une fois que vos deux bandes de 3,5 cm sont collées, on va pouvoir coller notre carte à sa place. Donc, je vais être prudente.
je vais décoller que le scotch d'en bas, hein. On va faire ça. Alors, les papiers dessous qui sont de travers, ça me fait une illusion d'optique. Faut la coller au milieu, hein, c'est ça le problème. Au milieu et droite, on va encore là avec les notes de musique, là, avec les partitions. Ça va, on la colle pas de travers. Donc là, j'enlève mes deux autres. Et voilà, ma carte est collée. Donc, mon dessus de rabat, vous voyez, on voit à peine, hein, de chaque côté. Donc, il valait mieux les coller avant. Et donc là, je mets mon petit tag avec mon nœud. Ça me sert de décoration. Alors, on va faire l'intérieur maintenant, qui est un peu plus complexe. Il faut d'abord coller les papiers, comme ceci. Parce que c'est là que j'ai mis mes aimants de fermeture. Donc, je vais enlever ça aussi pour coller mes aimants. Alors, ici, on colle les papiers. Donc, toujours ces papiers bleus avec les notes de musique. C'est un peu du 30-30, un peu du 20-20. Ils sont vraiment identiques. Ça, c'est la page où il y a les découpages derrière. Fallait l'utiliser ce bleu, on en a quand même pas mal. Donc là, j'ai choisi de mettre une bordure dans les bleus. Mais bon, c'est vrai qu'elle est à moitié cachée par ma carte. Là, et maintenant, je vais pouvoir coller ma carte par-dessus. Alors, le plus haut possible, pour quand même qu'on voit un petit peu la bordure. Mais bon, j'ai pas pu faire autrement. Donc là, j'ai fait une bêtise, c'est que je suis en train d'enlever tous les scotch que j'aurais dû en enlever qu'une partie. Alors, ne nous trompons pas, puisque mes aimants sont déjà en place. Et ça, bien sûr, on essaye de le centrer, c'est quand même plus joli. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir coller nos aimants. Alors, du scotch. Et les aimants sont donc collés sur le rabat du bas, hein, celui qui est là, avec la pochette. On va le coller comme ceci. Alors, attention au gousset. C'est difficile parce que c'est très épais. Voilà. Ben, prenez votre temps, hein, faites comme moi, allez-y doucement. Hein. Et donc là, on va pouvoir coller notre espace photo. Donc là, j'ai pris du bleu. C'est toujours des papiers Florence. Et cette couleur, ça s'appelle Maritime. C'est un bleu foncé parce que je n'ai pas trouvé. Pourtant, j'en ai des bleus différents. Mais je n'ai pas trouvé le même bleu que ça. Et j'ai regardé sur mon nuancier. Il n'y avait rien qui allait. Donc, je n'ai pas de regret. Ce n'est pas parce que je ne l'ai pas. C'est parce qu'il n'existe pas, ce bleu, dans le papier Florence. Voilà. J'ai commandé d'autres rouges. Le vert aussi, le piné, il est en rupture de stock. Alors, j'ai fait... Vous savez, on peut faire ça sur les sites, là, quand fait sur la boutique Scrap for Love, là. Quand vous appuyez sur un article qui n'est plus en stock, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre où il y a marqué « Me prévenir dès qu'il y a le réassort ». Donc, vous cliquez dessus, on vous demande votre adresse mail. Et donc, quand elle va faire le réassort, quand Audrey fera le réassort de cette couleur-là, vous allez recevoir un mail pour vous prévenir et vous pourrez comme ça... commander rapidement votre papier qui vous manque. Voilà, le plus dur est fait, en fait. Hein?
C'était le plus difficile, ça. Donc, le reste, c'est plus facile. Il y a moins de choses trop compliquées, là. Donc, ça, c'est du 30-30. Je sais plus. Je sais plus, les filles, au secours. Ouais, ça aussi. Bon, après, c'est vrai que c'est compliqué parce que ben, je vous colle tout ça et on fait comme pour la page numéro 1. J'irai doucement pour que vous puissiez faire des arrêts sur image pour voir le papier que j'ai utilisé et retrouver vos petits dans les papiers, hein? Parce que là, j'ai vraiment fait du patch. J'ai travaillé aussi bien avec du 20-20 qu'avec du 30-30. Et donc, j'avoue, je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Ça, c'est du 30-30, c'est sûr. Parce que la partition est plus grosse que là. Mais celui-là, ah, ça, c'est ça. C'est l'image comme ça que j'ai découpée en morceaux aussi. Ouais, j'ai tout découpé. Oh, mon Dieu. Allez, je fais tout ça et je reviens vers vous quand j'ai fini. Comme ça, c'est plus facile quand tout est collé. On y voit mieux. Allez, à tout de suite. Voilà. Alors, il y a beaucoup de découpes de papier, mais vous allez voir, le résultat est pas mal quand même. Donc là, on a la fameuse pochette secrète pour mettre le petit tag. Donc, le découpage du papier. Ça, on l'a fait ensemble. Donc là, j'ai rajouté la fameuse petite image là pour pouvoir y glisser la photo. Ici, je n'ai que cette chute-là, donc je rajoute un morceau avec les petites bandes là de décoration. Ici, cette bande-là, c'est en fait le haut d'une page que j'ai mis ici. Donc, il faut bien faire attention de découper vos papiers pour garder cette image-là, justement. Bon, on est toujours dans les notes de musique, puisque j'ai utilisé aussi les 15-15 là aussi. Là, j'ai fait. Il y a cette carte-là dans le A4. Donc, je trouvais sympa de mettre la lettre Père Noël dans le premier bloc déjà. Je l'ai maté avec du papier 15-15. Là, j'ai laissé du rouge parce qu'il y a quand même du rouge dans le papier. Donc, tout ce qui se voit comme là, je l'ai fait en bleu. Mais après, tout le reste, c'est du rouge, hein. Et ici, donc, j'ai découpé mon village là. Et là, il me reste ça, c'est la page 30-30, il m'en reste un bout. Donc, je m'en suis servi pour ma carte, ça fait très assorti avec ça. Un petit bout de plus clair de celui-là. Et voilà, ma carte à l'intérieur de la pochette. Et ça, on l'avait fait ensemble. Et donc, dessus, j'ai mis aussi une petite étiquette ici. Vous voyez, je commence ma décoration pour. Parce que le papier est très chargé, il ne faut pas en mettre trop, hein. Donc, pour pouvoir utiliser toutes les jolies étiquettes qu'il y a dans la collection A4, je les utilise au maximum de suite pour dire, ben, au moins, je sais qu'elles seront utilisées. Avec mon petit tag à l'intérieur ici, histoire de faire une petite déco ruban. Alors là, pas de brillant. Parce que ben, le rouge, d'abord, ça n'allait pas. Et puis, il y a déjà beaucoup de découpage. Donc, je me suis dit, les superpositions, les machins, c'est bon. Il y a assez. On mettra juste un petit sentiment et ça ira très bien. Le papier est très chargé quand même. Voilà, notre page numéro 2 est terminée. Le bloc numéro 1 est terminé. C'est parfait. On va pouvoir fignoler la décoration et pouvoir le mettre dans notre. Sur notre reliure, puisque moi je fais tout au fur et à mesure. Et là, j'ai fini mon bloc, je fais ma décoration, mes petits mots, machin, etc. Je mets mon scotch ici, là, pour fermer mon côté après, une fois qu'il est collé. Et je le colle dans ma reliure. Et je sais que ça, c'est fini. Je n'y reviens plus. Voilà. Je le fais au fur et à mesure. C'est moins languissant qu'après de faire toute la déco. À la fin, on en a un peu assez du papier, on a envie de changer. Donc, j'aime bien faire ma décoration au fur et à mesure et prendre du plaisir à la faire et non pas la bâcler parce qu'on en a assez. Voilà. C'est quand vous arrivez à la page 8, après la déco, moi j'en fais beaucoup en plus. Donc, je fais toujours attention de le faire au fur et à mesure. Voilà, c'était juste histoire de faire un petit effet. Voilà, c'est juste un effet. En fait, avec le découpage, hein.
mettre la carte dessus comme ça. Vous pouvez même faire un livret qui s'ouvre, hein, si vous voulez, pour mettre deux espaces photos de plus à l'intérieur. J'y ai pensé, et puis je me suis dit, c'est bon, il y en a assez. Après, on n'a pas non plus, c'est Noël, donc on n'a pas non plus 200 photos à mettre, hein. Donc voilà, le petit tag, juste le petit clin d'œil comme ça, la petite étiquette ici, la petite étiquette ici. Là, la photo, elle est carrément collée dessus. Et là, on a quand même des espaces photos pour mettre nos photos. Et ici, pareil, des espaces photos. Et vous savez que là, à chaque fois, on peut aussi, le papier est très joli. Donc, vous faites ce que vous voulez pour mettre vos photos. On fait un peu du graphique 45 quand même, hein. Il n'y a rien à faire, ce papier m'inspirait trop pour ça et on fait un peu des superpositions. Bon, là, on est dans le bleu sur la page numéro 2. Donc, la page numéro 3, on aura du bleu aussi, évidemment, pour être en corrélation en face. Comme ça, j'ai fait en sorte d'avoir chaque fois les mêmes couleurs sur les pages qui sont face à face. Voilà. Allez, ben, je vous souhaite une belle journée. Une bonne soirée pour celles qui m'écoutent le soir, parce qu'il y en a quand même pas mal qui m'écoutent le soir. Je le vois sur les statistiques, il y a plus de nocturnes que de diurnes le matin, je reconnais, hein, celles qui vont travailler un peu le temps, hein, ça je comprends, hein, je sais bien ce que c'est, hein. J'ai bien travaillé assez longtemps pour savoir que le matin, les enfants, la maison, la toilette, le machin, le truc, préparer tout avant de partir. Des fois, il faut emporter son repas, machin, hein, mon Dieu, je sais trop ce que c'est tout ça. Donc, je comprends que le soir, on est plus calme, plus tranquille, ça détend, voilà. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui me regardent le soir. On le voit bien sur les statistiques de YouTube que le matin. Donc, ben, bonne soirée, hein. Reposez-vous bien pour la journée de demain. Allez, je vous dis à très vite. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.